Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite réalisation où je vais utiliser pour la première fois la Zeta P2 de chez Lamello. Bon, j'ai fait les découpes au début avec la plongeante et puis après donc j'ai essayé quand même de régler correctement l'inciseur de la combinée et c'est vrai que quand on arrive à le régler en fait c'est top. Les coupes sont propres, nettes, je vous les ai montrées tout à l'heure. C'est un vrai régal. Par contre, je n'ai pas d'inclinomètre pour tester, vérifier l'angle précis puisque les chiffres quand même sur la combinée sont assez gros. Je ne sais pas s'ils sont précis et on va très vite le voir puisque quand je vais usiner... S'il y a un petit décalage, c'est que j'ai pas bien réglé mon angle. Bon, et bien voilà cette petite réalisation faite, la première pour l'utilisation de la Zeta P2 de chez Lamello. Je dois dire que je suis plutôt satisfait. Là où il faut que je corrige, c'est qu'il me faut absolument un inclinomètre pour la scie, puisque je devais vraiment être très proche des 30 degrés en me mettant sur le 30 de la combinée, mais je dois avoir 0, quelque chose en plus, parce que j'ai un tout petit décalage, vous voyez, il y a un tout petit peu de jeu qui se retrouve ici à cause du poids là, de la façon dont il est posé hein. Si je le tourne ça va se retrouver légèrement ici, donc il y a un tout petit décalage au niveau de l'angle mais vraiment pas grand chose. Ma foi c'est pas mal, je pense que je vais redémonter et coller directement, je vais peut-être le garder pour me servir d'étagère, ça peut être sympa avec une petite fleur ici par exemple, un petit pot de fleurs et voilà, ou alors autre chose, un élément déco. Ça, c'est madame qui va décider. Sinon, bah, c'est simple, hein. Comme tous les éléments sont démontables, c'est extrêmement facile à démonter. Donc, vous pouvez faire plein de meubles comme ça. Sachant que j'ai déjà dessiné le premier meuble qui va venir. Voilà. Rien ne vous empêche en accrochant ça bien fixement ici et là au mur d'avoir une étagère ouverte comme ça et de continuer sur d'autres alvéoles comme pour les abeilles. En tout cas, enfin, je vais m'arrêter là, je vais même le remettre plutôt en continuant à parler.
En tout cas, c'est très, très sympa à utiliser comme machine. Ça se fait extrêmement facilement. Vous l'avez vu, là, je viens de remettre mes morceaux en place. J'ai juste à verrouiller. Ça bloque. Là en haut, c'est pareil. Hop. Tout est bien écrasé, tout est bien fixé, tout est bien serré. C'est vraiment un régal à l'utilisation. On en reparlera en détail de tous les types d'assemblage possibles avec cette machine. Vous allez en voir d'autres lors d'une prochaine réalisation qui sera un meuble pour une télé. Et puis un aménagement sous un escalier, et puis une bibliothèque, et puis des meubles de salon, et puis plein d'autres meubles. Par contre, ça viendra dans le temps en fonction de mon dos. En tout cas, c'est vraiment top pour une première utilisation. Je dois dire que j'adore. C'est extrêmement facile. Là, par exemple, j'ai pas eu besoin de marquer mes différentes pièces pour l'usinage. En fait, je me suis repéré, puisque l'arrière, on voit les découpes, il n'y a pas de borne de champ, puisque de toute façon, ce sera appliqué contre un mur. Sur l'arrière, ça ne se verrait pas. Même si pour des prochains projets, il me faudra quelque chose justement pour appliquer ces bandes de champ. Peut-être une plaqueuse de champ, on verra. En tout cas, le P-System fonctionne extrêmement facilement sur la Zeta. Donc les réglages sont extrêmement simples avec la machine. Pour l'usinage, c'est simple. Je me suis mis sur le côté où j'avais la bande de champ, justement. Je l'ai aligné sur l'extérieur ici. Et ça s'est fait super bien. Pas besoin de tracer, pas besoin de mesurer, ça s'est fait tout seul. C'est un premier essai qui pour moi est concluant. Je ne sais pas pour vous, je vous laisse vous faire votre propre opinion, comme d'habitude. En tout cas, j'adore et ça promet de belles choses pour les prochains projets. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !